Добро пожаловать в мой канал. C'est l'effet domino. Après l'aveu de défaillance de Leclerc, les regards se tournent désormais vers les autres grandes enseignes françaises. Et l'assurance affichée au départ s'étiole au fil des heures. Alors qu'Auchan affirmait, mardi encore, avoir respecté scrupuleusement la procédure de retrait des boîtes de lait infantile de Lactalis, rappelée depuis le 21 décembre en raison d'un risque de contamination à la salmonelle, le groupe fait volte-face aujourd'hui. Selon nos informations, 52 de ces produits ont échappé à la vigilance des équipes et ont été vendus après la date du rappel dans 28 magasins français, hypermarchés et supermarchés. On a eu un problème de livraison, nous avoue un responsable. On a reçu le 2 janvier des boîtes sujettes au rappel. Ces erreurs localisées ont été décelées à partir d'une livraison de produits non conformes. Après une enquête interne, Auchan se dit consterné et présente ses excuses. L'enseigne est actuellement en train d'identifier et de contacter les clients concernés. On les recherche grâce à leur carte de fidélité et leur règlement par carte bleue. Auchan dédie son numéro service consommateur à toutes les questions éventuelles des acheteurs 03 59 30 59 30. Lire aussi plus grand que les contaminés Lactalis. Mon bébé est encore malade. Pointé également du doigt, Cora France, la filiale française de Cora Louis Deleuze, a lancé, elle aussi, un processus de vérification après des signalements de clients. Contacté, le co-directeur général du groupe, Pierre Bourrier, nous confie « J'ai toujours été persuadé d'avoir fait retirer tous nos lots de la marque de lait incriminé Lactalis. Nous n'avons pas connaissance à ce jour de clients qui auraient pu acheter de telles boîtes de lait après le dernier appel. Le groupe estime sa procédure bien rodée. S'il s'avère que des lots sont passés entre les mailles du filet, nous ouvrirons une enquête », assure-t-il en attendant d'en savoir davantage de la part de sa direction française. Intermarché mène aussi ses vérifications. Le groupe de distribution Intermarché a également lancé une « enquête précise » après des signalements relayés par certains clients. Dans l'un des magasins, dans les Hauts-de-France, tous les produits n'auraient pas été retirés des rayons malgré les rappels successifs. À Marlay-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, un client aurait ainsi récemment acheté du lait en poudre de la marque Milumel. Lire aussi plus grand que lait contaminé. La bactérie semble être la même qu'en 2005.